Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Starbound V5 Please de Giraffe, chers amis. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau lumineuse ici. Hop. Ça s'écoule trop. On va essayer de crack. Voilà, comme ça je devrais être en mesure de repérer où est-ce que je suis. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour sur une dead planet, une de ces saloperies de dead planet, simplement parce que j'ai l'impression qu'on trouve plus de choses dessus. Donc je sais pas, je reviens dessus de manière complètement aléatoire. Et il y a déjà un donjon, donc j'imagine que c'est un truc volant. Ouais, tiens, bingo. Je vais essayer. Eh ben non, c'est la mort. Ah, je voulais censurer, chers amis, c'est pas grave. En plus, j'avais plus de 10 000, j'ai complètement zappé de refaire ma quantité de... Mon petit capixel, mon 10 capixel. Enfin, voxel, je crois qu'il l'appelle, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Je n'ai même pas sur moi, normalement, mon grappin, hein, de mémoire. Hein, je ne l'ai plus. Je n'ai même plus les corps, parce qu'il me semble que je viens tout juste de les supprimer. Ah, salut. Tiens, regarde, tu connais le coup du marteau. Le voilà. C'est le coup du lapin, mais en plus mal, en plus douloureux. Cependant, là, ça va vraiment pas le faire. Oh, la gueule. Hop. Tant pis, je n'irai pas génocider des avianes. C'est vraiment dommage. Oh. Un monstre qui fait peur. Oh, et qui est tenace. Et qui a le cul rose, j'avais pas remarqué. Il a littéralement le cul rose, vous allez voir, hein, vous allez regarder. Il a le cul rose. Ce sera, je pense, le nom de l'épisode, le monstre au cul rose. C'est tout trouvé, tout désigné. Appelé. Crac. Ah, forcément. Je les ai déjà, je crois, oui, donc c'est bon, je peux les laisser. Par contre, les autres, je les récupère, c'est tellement rigolo. Viens me voir. Hop, repars, reviens me voir. Et décède. Ok. Bon. Crac. Je récupère encore une fois les os à lancer, parce que c'est rigolo. Ok, par contre, on est vraiment, mais alors vraiment... Ah, je veux dire vraiment pas rendu, mais en fait, juste au-dessus de nous, je pense que... Dès qu'on va ouvrir la porte, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Et donc, il y a quelque chose dans le truc là? Ou c'est juste des os entassés pour le plaisir? Ah, attendez, si, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est ça, regardez. Hop, les. Ah non. Alors ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Je pensais que ça ferait genre, vous savez, que ça boucherait le truc. Mais non. Allez. Allez, enlève le bonus. Enlève le bonus, Marcus. C'est bon, hop. Marcus bonus, tout ça. Ok, maintenant on bourre. Merde, j'ai pris ça pour des méchants pics. Hop. Sûrement un Floran. Plus de Floran. Hop, on reprend. Arrière. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce gros truc qui m'a lâché? Ah non, c'était une épée, je crois. Rising Slash. D'accord. Fleury, je connais. Rising Slash, je connais. J'ai l'impression qu'il m'avait lâché un gros truc. Pas de clic droit. Si elle a une lampe torche. Non, grenade launcher. D'accord. Ok. Bon, on y va. Hein. Hop. Avec un petit soin supplémentaire, ça peut être cool. Donc, on parlait d'interface il y a quelques épisodes de ça. Je vous mets la nouvelle interface qui arrivera. Donc, avec en fait plusieurs duos de mains. Plusieurs sets de mains, on va dire. Et bah au final, ce serait peut-être pas si bête, imaginez-vous, avec un Steampack Heal et un Steampack Boost Vitesse. Ça pourrait être sympa.
Connaissez le pouvoir de l'électricité? Apparemment oui, ils connaissent. Hop. Et pour une fois, hop, hop, hop. Ah, j'ai été stupide, il y avait aussi ce coup-là. Attendez, regardez. Hop, les. Voilà. C'était juste un lag, hein, vous inquiétez pas. Crac. Il a lâché deux diodes. What the f... D'accord, oui, c'est bizarre, ça. La façon dont ils ont lâché, comme si c'était deux butins différents, était très bizarre, en fait. Bouncing shot, oui, c'est naze, quoi. Oh non, pas encore. Vas-y, repop, y'a pas de soucis. Hop. C'est le gameplay le plus fun à regarder du monde. Les petits coups de bâton sur la tête, en fait, c'est ça, hein. Ok. Tu peux venir, y a pas de souci. Ah, joli. Je l'ai pas vu venir. C'est du gameplay de fou. Bon, allez, vas-y, sors ta tête. Hop, les, voilà, merci. Merci d'être passé. J'espérais que ça ferait passer la... Oh, moi aussi je peux le faire, hein. Hop. Dégagez. Hop. Hop. Ouais, je suis coincé. Hop, loupé. Oh là là, c'est d'une lenteur. Non, j'ai vu un truc. Il y avait un coffre, je l'ai vu. Non. Je me suis planté. Putain, je me suis planté. Fais chier. Ah. Pourquoi vous subissez pas les problèmes de vitesse? Couchez. Couchez. Couchez, j'ai dit, nom de Dieu. Sale bête. Sale bête! Il n'empêche que le problème n'est toujours pas résolu. Hein. J'ai un gros souci de vitesse dans cette planète. Hein. Oh là là. Non. Ne crache pas ton jet de flamme. Vous, bah, vous vous renterrez pas. Mais c'est pour que vous ayez des pro... Ah, mais merde, Cody. Couchez. Couchez, te dis-je. Boum. Couchez aussi, vous. Crac. En douceur, hein. Pas besoin d'aller trop vite. On peut pas aller plus vite, hein, je crois, hein. Hop. On n'est plus dans l'aura maléfique de la du vent. Ah bah c'est bon, en plus ça se calme. Oh, alors là, c'est la frame d'invincibilité. Comme pour lui. Ou c'est la frame de connerie de Marcus Bonus. Crac. Ah, un coffre. Oh, avec un joli marteau. Blink Explosion. Ce qui équivaut à... D'accord. Du caca. Qui équivaut à du caca. Hop, voilà, on est ralenti à nouveau. Hop. Viens me voir. Viens me voir. Boum, ça prendra. Je t'avais pas capturé avec une Pokéball, t'as pas à m'obéir. Il y a Pokémon Go qui arrive en mi-juillet, si je me trompe pas. Aïe. Ah bah non, pas vous. Non, 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 non. Vous avez pas l'air de faire des dégâts normalement. Ah, un coffre. Eh ben non, du caca, du caca, du caca, du caca. Je vais dépenser plus de trucs verts que je vais en trouver sur la planète de toute façon. Ça me semble logique. Je sais même pas si ça fait vraiment un véritable effet. Hop. Allez. Crac, eh ben on a fait le tour de la planète difficilement, hein, quand même. Hein. Ouh, heureusement, c'est plus facile à creuser, apparemment.
J'ai rien dit. Laissez tomber. Hop. Oh là 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 là. Ça y est. Hop. Hop. Attendez, on va essayer de suivre le facile à creuser. Voilà, pour trouver quelque chose. Parfait. Ok. Non. Je refuse. Du soin. On a du diamant en quantité complètement incroyable. Hop. Voilà qui nous fait 8 diamants. Je prends que ceux qui sont facilement atteignables, sinon ça ne vaut pas le coup de prendre notre... Ah tiens non. Feather Headband et Feather Headband. Eh bien écoutez, on va en mettre un, je l'avais jamais vu celui-là. C'est assez sympa de le trouver. Blade Whirl. Oh. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Le lance-flamme qu'on n'utilise pas. L'alcool qu'on va boire. Voilà, allègrement. On m'apporte un ennemi, alors. Qu'on m'amène ma victime. Alors, ça tombe bien. Je cherche quelqu'un. Mouais. Ça pique! Regarde. Pique! Crac. Eh, mais j'y pense. Mais en fait, c'est ça le meilleur truc pour éviter tous les problèmes de. Hop! Tu les enfermes dans un trou, puis crac. C'est pas hyper rapide, mais ça casse les trucs en fait. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est ça en fait le problème de tous les pics au sol. Hop. Tu prends une lance. Oh. Ok. Je le repose. J'en profite pour me soigner. Ça, je devrais penser à le faire plus souvent. Alors. Vous voyez? Vous la sentez la grosse astuce là? Le bonus de Marcus. Aïe, fait mal. Dommage qu'il n'y ait pas de dégâts de chute pour les monstres. Hop. Hop. C'est efficace, ça, dis donc. Ok. Why not? Oh, une guitare. Tring, 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 tring. Mais parce que contrairement à ce que tout le monde pense, ça vient pas de Bob Lennon, ça. Hein. Là, il n'y a pas marque déposée, je suis désolé. Moi ça je l'ai vu à l'époque, c'était en... Alors je pourrais pas vous dire dans quoi c'est exactement, hein, mais moi je l'ai vu à l'époque... C'était dans un spectacle... En... je sais plus, je pourrais même plus vous dire quand. Oh là je vais être tout petit. Donc bon, faut pas exagérer non plus. Ok, nouvelle zone. Vous voyez, là, il y a de la saloperie au sol. Ah, bah voilà. Il n'y avait pas qu'au sol. Non. Arrière, vile créature. Arrière. Tombe dans le trou. Non. Ah, merde, quel con. Oh là là, c'est lag. C'est lag. Je fais tourner Far Cry Primal en 60 fps constant à fond. Et par contre Starband met mon PC à genoux. Non, j'ai dit non. Non. Boum. Ah merde, j'ai pas réussi à le frapper. Crac. Ok. J'ai peut-être gagné quelques précieux mètres là de... Attendez, quelque chose par là. Ah ah. La suite. Voilà. Crac. J'ai l'impression par contre qu'on arrive dans le fond, hein. C'est pas bon ça. Ah, un coffre. Arrière, tombez dans le trou. Tombe dans le trou.
Mais pourquoi tu veux pas te faire repousser? Voilà, dans le trou. C'est bien. Bonne bébête. Ok, rien d'intéressant du tout, hein. Encore une fois. Hop. C'est pratique comme heal, ça. Il m'a vu, mais il s'est pas intéressé. Ah si, ça y est. Hop. Crac. Non. Reste à ta place. Casse-toi. Je déteste ces sales bêtes. Bon, la musique est toute douce, c'est rigolo. Ça va pas du tout avec ce qui vient de se passer alors que je viens de me faire taper par une bestiole. Oh. D'accord. Bah oui, il y a des diamants dans les fourrés. Bah oui, bien sûr. Des diamants dans les fourrés. Bah écoutez, allez au parc, chers amis. Hein. Sortez un petit peu de chez vous, allez au parc, fouillez les fourrés. Des fois que, on sait jamais. Il pourrait se passer un truc. Papapapapapa, et la commentaire. J'ai trouvé des légendes, des diamants. Bon, ils sont sortis sur une bague, mais je les ai trouvés. Puis j'ai trouvé un doigt de dame avec, mais... apparemment, c'est pas plus intéressant que le diamant. J'ai gardé le diamant, j'ai pas gardé le doigt de la dame. Et d'ailleurs, la dame, elle est pas en forme, mais c'est moi qui l'ai mis en cet état-là, parce qu'après qu'elle est passée dans les fourrés avec moi. Ça devient bizarre. Bref, on change le sujet. Mais bien sûr, et les bubules sont auto-guidées maintenant aussi. Voilà autre chose. Non. Non, j'ai dit. Oh. Hop, rien du tout d'intéressant, génial. Ah, tiens, en voilà. Crac. Hop, raté. Bon, j'imagine que ces monstres-là font moins peur que ceux qu'on verra dans The Technomancer, hein, qui ont l'air un petit peu plus badass. Hein. Même s'il est complètement stylé, ce petit requin chien. Hein. Franchement, j'adore. Hein. Personnellement, là, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je dis plus ça. Hein. Je suis entièrement d'accord. Ah, bonjour. T'es coincé. Normalement, tu peux pas me rejoindre. Normalement, tu peux pas me rejoindre. C'est bête, hein. Tu dois te sentir tellement con maintenant que t'as mis la tête dans le mur en plus. Oh. Crac. Hop. Qu'est-ce que c'est? Barrière. C'est une barrière de feu. Ah, barrière de feu. Ça peut être stylé. Non. Laisse-moi tranquille. Je t'ai dit laisse-moi. Il est chiant. En fait, non, c'est juste le lait. Ok. Hop, oh, ok, d'accord. Voilà. Ok, why not. C'est pas aussi performant que ce que j'espérais, je l'avoue. Hop. Crac. Merci. Diamant pixel soin, ok. Oula. Oula. On l'a échappé belle. On l'a échappé belle. Crac. On doutait que je devrais pouvoir passer. Oh mais regardez ça, lui il passe allègrement dans le truc. Crac. Voilà. Et on est bon. Voilà. Pff. Il est remonté dans le fond de ma gorge alors que j'allais dire quelque chose. Je suis désolé, il a fallu qu'il sorte. Du coup je l'ai laissé sortir. Faut pas se retenir, comme dirait Hagrid dans Harry Potter, ils sont meilleurs dehors que dedans. Hop, est-ce que tout le monde a vu la référence à Harry Potter 2? Hop, hop. Oh mais non, pas déjà. Ah, attendez. Pas censé y avoir. Ah, c'est une femme. Je vais devoir m'attaquer à une femme. Ok. Le problème, c'est que c'est une femme humaine. Ça m'embête. Ou alors... Ça me pose un dilemme d'ordre éthique. Vas-y, arrête-toi là. Voilà. Bonjour, madame.
Bonjour madame, est-ce que je peux vous enfermer dedans madame? Plus que ça, non. Par contre, est-ce que je peux par exemple, imaginons... Oh, c'est bête. En fait, ça me posait un problème d'ordre éthique de l'attaquer, mais pas de la laisser crever dans un mur à la Sims, hein. Non, non. Y'a pas de problème de ce côté-là, je voulais juste pas m'attaquer à elle pour avoir le poids de sa mort sur la conscience. Ça m'a juste surpris. Et oui, on va me dire que c'est du sexisme. Non, enfin, c'est pas comme ça que c'est pas pour ça que je l'ai fait comme ça, chers amis. Puisque j'ai pas l'habitude de m'attaquer aux femmes. Enfin, pas sur YouTube en tout cas. Dans la vie réelle, c'est autre chose. Faites-le. Non, le faites pas, c'est éviter. Évitez parce que maintenant les femmes elles se défendent, hein, donc vaut mieux arrêter maintenant. Vous pouviez le faire avant, il y a quelques années, mais là maintenant, non. Non, non. De toute façon, vous l'auriez fait il y a quelques années que je vous aurais buté. C'est pas bien de s'attaquer aux femmes. Pas bien de s'attaquer aux gens, déjà, en règle générale. Ah, je suis full. Ok. J'aimerais traverser, s'il te plaît, merci. Hop. Aïe. Ça, c'était débile. Je voulais casser le truc en dessous, pas le truc au-dessus. Par contre, oui, si vous me permettez pas de descendre plus bas... Oh, putain. Ah non, je suis dans The cul-de-sac. Je suis dans The cul-de-sac. Et pas dans The Q-Jat, hein, c'est pas pareil. Hop, allez, cool. Raoul. Il y a des pics partout. Et il n'y a pas un coffre. Hein. Oh putain. J'aurais dû regarder. Putain de... C'est pas possible. C'est annonciateur, on dit jamais 203, chers amis, mais là je commence à m'inquiéter, honnêtement. Hein. Allez, vas-y, casse. Crac. C'est ça qu'ils auraient dû faire, en fait. À partir du moment où tu récupères un liquide électro, en fait, il se remet à côté de toi. Ah ah ah, la blague. La blague, la blague. Ne faites pas. Ne faites pas ça chez vous. Hop, on devrait être bon. On devrait être bon niveau quantité, ça devrait être bon. On devrait être tranquille. Puis sinon, c'est douche de lave. Écoutez, un douche de lave pour tout le monde. Moi, j'ai fait les choses bien. Je considère avoir fait les choses bien maintenant. Me punissez pas pour ça. Et là, on va voir la lave couler à flot par-dessus ma tête. Allez, creuse, Marcus. Creuse, 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 creuse. Creuse. Non, c'est bon, ça se fait. Ça se pose bien. C'est bon. Alors... Ok, ça commence à être très très long là. Si c'est pour pas trouver le moindre coffre, ça va être terrible. Allez! Oh là 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 là. C'est bon. Non! Et je crois que je suis mort sur le passage. Oh la gueule, il s'est passé tellement... Je suis mort ou j'ai survécu? Je suis mort ou j'ai survécu? Parce que j'ai 8500 pixels, est-ce que j'en ai plus ou moins? Pas fait attention. Merde! Bon bah ce sera à vous de me le dire dans les commentaires, chers amis, je vais pas regarder, ce sera à vous de me le dire. Encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, elle me paye en patate. Elle va me payer en patate. Je vais la patater moi. Trois patates? Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop, et un pouce vert et un abonnement, c'est toujours sympa, salut!